Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage des énergies pour ce mercredi 25 août. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie pour vos petits messages, pour vos petits retours et puis également, bien sûr, pour votre fidélité. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons bien sûr, voir ensemble les énergies pour ce mercredi avec l'oracle de l'abondance illimitée. Allez, cherche un peu dans la décision. Ici, peut-être il est temps de vous décider, de mettre un projet en place parce que vous manquez peut-être de sécurité, sécurité d'emploi, sécurité. On voit qu'il y a une perfection, quelque chose qui est en train de progresser par rapport à une décision que vous avez prise ou pris. Voilà. En tout cas, on nous parle d'une perfection, quelque chose qui est en train de s'élever, quelque chose qui est en train de progresser pour vous mettre en sécurité, pour bien sûr retrouver une vie stable dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Allez, on va aller demander des petits messages pour aujourd'hui. Allez. Je procédais à la coupe. Voilà la réalité intérieure. Voilà, on est. Alors, pour moi, il y a des espoirs. On va mettre les choses en place. On va prendre ses responsabilités. On vous annonce ici, les amis, un revirement favorable. Voilà, c'est vraiment cette réalité. Alors, quelque chose déjà qui était à l'intérieur de vous, voyez, sur vos espoirs, sur vos espérances. On sait. On a été responsable, on a pris ses responsabilités et on vous annonce bien sûr un revirement favorable de situation. Vous voyez, c'est un peu l'activité, vous avez activé la machine, hein, c'est vraiment les intentions qui vont vous amener sur bien sûr le rayonnement. Quelque chose qui arrive en tout cas, qui sort de l'esprit des miracles. Vous voyez, on vous annonce une réalité intérieure avec un très beau revirement. On vous voit de nouveau rayonner. Alors c'est peut-être par rapport aussi un revirement sur vos espoirs, peut-être sentimentaux. En tout cas, on va retrouver ce rayonnement, en tout cas, sur et activer toutes vos intentions. En tout cas, on va prendre ses responsabilités pour vous sur vos espoirs. Ça vous annonce quand même un revirement favorable. Allez, on nous parle d'une libération. Donc, il y a bien des choses que vous avez entreprises, des choses que vous espérez en tout cas. On vous parle de libération ici, de reprendre son indépendance, hein, si bien sûr ça vous parle dans le couple, hein, bien sûr. En tout cas, on vous parle que, il y a une libération possible. Donc, ça vous parle d'action. Vous allez entreprendre des choses. C'est une confiance aussi, donc du coup, qui revient pour vous. Si ça nous parle d'argent, ben voilà, peut-être que vous allez du coup retrouver un job. De nouveau de rentrée d'argent. En tout cas, on voit qu'il y a peut-être un rendez-vous pour vous, hein, un rendez-vous positif, hein, puisque ça vous annonce quand même l'abondance par l'action sur des choses que vous avez entrepris et bien sûr renouveau, du renouveau aussi et une certaine confiance en vous qui revient par vos actions évidemment. Et de ce fait, vous voyez, on va se sentir libéré, hein, reprendre un peu son indépendance parce que du coup, on va être satisfait parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on a mis en place, ce qu'on a entrepris en tout cas, que c'était possible et que du coup vous allez pouvoir en être libéré. Voilà, c'est ces petits messages ici de libération par rapport aux actions qui vont vous amener bien sûr de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Allez, aujourd'hui avec le tarot psychique, voir un petit peu les messages pour aujourd'hui, pour ce mercredi 25 août. Les petits messages, s'il vous plaît. Vous voyez, je ne me suis pas trompée dans mes dates aujourd'hui, hein. Message de ce mercredi 24, petit message s'il vous plaît. Allez, je vais procéder donc à la coupe. Voir ce que coupe annonce-t-elle, repos et rajeunissement. Voilà, c'est un peu un moment d'introspection. C'est aussi pour vous redonner un petit peu plus de vitalité, hein. Cette repos et ce rajeunissement, ça évoque aussi le moment où il a fallu réfléchir. Je pense que c'est une période de repos, de méditation, mais ça vous a servi aussi pour récupérer. Ça était vraiment nécessaire pour que vous puissiez récupérer vos capacités. On vous parle aussi de guérison avec cette carte, hein. C'est vraiment une phase
avec votre âme pour aller de l'avant. Voilà, simplement pour vous donner aussi le temps pour réfléchir, l'occasion de prendre du recul pour renouveler. Vous voyez, on est quand même dans la libération, l'action et le renouvellement, bien sûr, dans tous les domaines de votre vie, hein. En tout cas, c'était, on vous dit que c'est une période qui a été nécessaire, bien sûr. Allez, petit message pour ce mercredi. Bon, vous voyez, elle est ressortie, donc je la garde parce que ça fait deux fois qu'elle ressort. Donc cette carte devient, bien sûr, importante. Ça nous parle de défaite, ça nous parle de conflit ici, hein. Donc beaucoup d'espérance, on voit qu'il y a du mouvement qui commence à s'accélérer ici. Allez. Message s'il vous plaît, mes amis, pour ce mercredi 25, quel va être les petits messages, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, petit message, s'il vous plaît. Chakra se recrée. Oups, c'est pas fini. Allez, je crois que j'ai mes trois cartes qui sont tombées. Allez, on nous parle de fertilité, c'est la fécondité, hein, ça peut nous parler aussi de nouveaux projets. Et puis, on va se sortir aussi un peu des sacrifices ici. Hein, avec le chakra racine, vous voyez, donc le chakra racine au dos de deck, hein, vous annonce quand même un rééquilibrage, quelque chose dans lequel vous allez vous sentir de nouveau ancré dans le sol, c'est-à-dire une sûreté, une stabilité en tout cas, avec bien sûr toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer. Ici, ça nous parle de rajeunissement, de repos, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va être enfin libéré. Hein, alors si certains d'entre vous ont entrepris des choses, hein, parce que il s'est senti en manque de confiance, un peu dans le manque affectif ou le manque d'argent, ou simplement le manque d'épanouissement. On vous dit que vous allez vraiment vous libérer parce que vous allez reprendre aussi votre pouvoir et que du coup, tout est possible. Hein. À partir du moment qu'on est libéré un peu de ces angoisses mentales, une période de repos, cette période de repos va être nécessaire pour que vous puissiez aller de l'avant, simplement vous donner le temps pour de réfléchir. C'est l'occasion de prendre du recul, justement, pour renouveler un peu ce redémarrage. Hein. Alors, on nous parle qu'il y a eu des conflits. Conflits ici, c'est des conflits et des fêtes. Hein. C'est parfois, il vaut mieux aussi abandonner que s'en aller si on ne peut l'obtenir. On ne peut obtenir une victoire ou une réponse en tout cas. Il est vraiment important aussi d'évaluer le coût de la douleur dans tout domaine de votre vie. Puis c'est une occasion peut-être d'apprentissage, une occasion d'apprentissage et de croissance. Voilà. Vous voyez, parfois il vaut mieux abandonner et s'en aller. Voilà, si on ne peut pas obtenir ce que l'on veut parce que vous voyez, on est dans les conflits, on a été dans la défaite. Voilà. Et puis, on vous annonce quand même un mouvement accéléré. Donc, même si les choses, vous voyez, on a eu l'impression que tout tournait au ralenti, ce mouvement accéléré représente aussi la vitesse, l'envol. En tout cas, un mouvement rapide sur vos espoirs, sur vos passions. Voilà. Donc, avant tout, c'est vraiment la fin des retards, hein, sur, bien sûr, les défaites et le défi qu'on a eu. Une période peut-être de repos. Pour certains, on voit que c'est une période de rajeunissement qui a été nécessaire aussi pour pouvoir vous projeter vers l'avenir, pour pouvoir aussi vous libérer. Hein, peut-être aussi une défaite par rapport au domaine sentimental ou peut-être tout simplement des conflits aussi d'ordre professionnel. En tout cas, aujourd'hui, il est question ici de quelque chose de rapide sur vos espoirs. Donc, quelque chose d'une passion. Et avant tout, la fin des retards, donc on voit qu'on est vraiment ici en bonne condition pour aller rapidement dans la direction de vos objectifs et de vos désirs. Donc c'est comme si que la chance était de votre côté à nouveau et tout se matérialise, ce pourquoi vous avez tant travaillé ou donné, hein, de sacrifices bien sûr. Hein. Donc la récolte matérielle, ben, c'est les récoltes
que vous avez, que vous allez obtenir, bien sûr, par rapport à votre persévérance, par rapport à tous vos efforts que l'on a fait. Ici, on va récolter vraiment ben, ce qu'on a semé, bien sûr. On voit qu'il y a quelque chose qui revient, quelque chose que vous avez entrepris. Ça peut être un rendez-vous hein, obtenu, un redémarrage d'activité professionnelle. Pour d'autres, on verra qu'au niveau sentimental, il peut être question de conflits et de choses nouvelles hein, qui arrivent pour vous. Et voir, on voit que là, on a mis toutes ses chances de son côté, peut-être pour comment que votre couple redémarre, hein, peut-être à zéro. Pour d'autres, on verra que peut-être c'est de nouvelles rencontres. Alors ici, on va récolter ce qu'on a semé. C'est le moment pour vous de reprendre aussi votre indépendance. On voit qu'il y a une sécurité aussi. On voyait que la libération était proche. Hein. Et vraiment, vous allez apprécier tous vos efforts puisque vous avez obtenu ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Hein. Et puis, on voit que c'est la fin aussi des difficultés. Vous allez pouvoir célébrer l'accomplissement de vos projets. Et puis, on voit qu'il y a une félicitation pour votre réussite. Alors, il y a eu des tentations. La tentation, c'est vos désirs, bien sûr, ce qu'on désire. Alors, on a peut-être été aussi, cette tentation, c'est l'emprise aussi, hein, mentale, l'emprise sur dans votre vie sentimentale, c'est l'emprise aussi sur une situation de sacrifice, une emprise par rapport au conflit et aux défaites. Hein. À un moment donné, il a fallu bien sûr faire ce choix. On voit qu'aujourd'hui, il y a cette décision et qu'on a fait ce choix. Donc, ça soit peut-être sentimental, ça peut être professionnel ou bien sûr dans le domaine financier. Alors, ce chakra sacré ben, va nous amener bien sûr à beaucoup plus de stabilité. C'est le chakra racine ici. Le chakra racé et chakra racine. Le chakra sacré, c'est tout ce qui a. Non, c'est sacré, excusez-moi, je me suis trompée. Le chakra sacré, c'est tout ce qui a rapport aux émotions, aux désirs. Et on voit qu'il y a d'autres créativités. On peut voir aussi qu'on a peut-être été dépendant sous l'emprise aussi du sentimental avec une personne. Vous étiez peut-être sous l'emprise aussi d'une personne. Si c'est dans le domaine sentimental. En tout cas, ici, on voit on a été dans les émotions, mais on a d'autres désirs et on est dans la créativité et on va se diriger vers quelque chose de tout nouveau. Et puis, cette fertilité, ben, vous voyez, c'est la petite graine que l'on met. C'est la fertilité, ça correspond aussi à les naissances, les nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. C'est le début de quelque chose, c'est la petite graine qu'on a mis. Et puis, vous voyez, cette fertilité, c'est la petite graine ici, mais c'est aussi cette intuition hein, on a mis cette petite graine, et puis que vous avez semé peut-être aussi par rapport à un passé difficile. Soit c'est celle du bonheur, en tout cas du confort, hein, de l'abondance et de la prospérité. Donc c'est aussi l'abondance, la prospérité de la famille, des enfants, des idées, hein, même des idées parfois en fait qui sont prêts à éclore. En tout cas, on a eu cette patience parce qu'il a fallu de la patience pour mettre ces nouvelles choses bien sûr en route, hein, bien sûr. Et pour qu'elle devienne plus forte et bien sûr en bonne santé, cette carte représente l'impératrice, donc la fécondité, les petites graines que l'on sème et puis qui vous demandent de la patience pour pouvoir que les choses grandissent et se mettre en place. Hein, voilà. Donc on voyait qu'il y avait des choses qu'on entreprenait dans les actions. Peut-être certains ont d'autres rendez-vous, que ça soit sentimental ou professionnel. Hein. Voilà, en tout cas, on va devenir possible, toutes les choses vont devenir possibles. On va reprendre son indépendance, bien sûr, et puis de nouvelles aspirations où on va se sentir beaucoup plus libre. Et puis, voyez, se choisir, choisir et avec sagesse, bah, c'est simplement tout le recul que vous avez pris qui vous permet aussi cette guérison. On va aller, bien sûr, il a fallu un choix. Ce choix, c'est toujours difficile de choisir, hein, mais on voyait, on a pris le temps de penser, d'analyser, d'examiner soigneusement les différentes possibilités qui s'offrent à vous. On voit qu'on a choisi avec sagesse la direction dans laquelle on voulait aller. Voilà, on vous parle ici de sacrifices, hein, donc c'est toujours des sacrifices que l'on a fait par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées. Cette carte, ben, en fait, on voit qu'aujourd'hui, il y a des grandes réalisations. Ça résulte souvent par de grands sacrifices, sacrifices de soi. Et puis, on voit que vous allez lâcher prise dans une situation et que cette situation est en train de se produire dans votre vie. En tout cas, c'est le moment de faire une pause, de se reposer. Vous avez fait preuve de patience, vous avez bien réfléchi, vous avez bien médité parce que, vous voyez, on a pris son temps.
ici, hein, pour bien sûr choisir la direction dans laquelle on voulait aller. Ici, on va retrouver, on va mener peut-être aujourd'hui, pas peut-être, hein, c'est être juste et mener une vie équilibrée. On a été responsable de ses choix, et puis on voit que pour l'avenir, on a aussi cet équilibre qui revient pour vous. Et puis, vous voyez, j'ai confondu parce que j'avais le chakra sacré et le chakra racine qui était au dos de deck. Le chakra racine nous amène bien sûr à quelque chose de beaucoup plus stable. Hein. On est vraiment ici sur la colonne vertébrale, hein, les problèmes terrestres, hein, comme la survie, le corps physique et tout ce qui est question d'argent, les moyens de subsistance, la sécurité, l'abri, ben voilà, c'est vraiment le chakra racine, c'est-à-dire qu'on va avoir, même si on avait cette part d'ombre, on fait la lumière sur cette part d'ombre ici, et puis on a une nouvelle passion, vous voyez, sur vos espoirs, on a aussi, vous voyez, ce soleil, c'est aussi les espoirs, ce sont les étoiles aussi. Hein. On a vraiment quelque chose de nouveau qui revient dans votre vie, vraiment une passion, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. Et puis on voit quelque chose de beaucoup plus stable, donc ça va vous permettre de vous mettre en sécurité aussi, de vous mettre à l'abri. En tout cas, ça peut nous parler aussi de moyens de gagner sa vie pour vraiment avoir les moyens de subsistance, voilà, des moyens de survie, c'est des problèmes terrestres, hein, tout à fait. Voilà les amis, donc nous allons aller aborder, je vais aller chercher quelques cartes des portes de l'intuition, voir un petit peu les messages pour aujourd'hui. Voilà, vous voyez, il y a une question d'action, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on va entreprendre des choses, sur des rendez-vous, en tout cas, il y a une confiance qui revient pour vous, une grande libération. On va se rendre compte que tout est possible et on va pouvoir se libérer un peu de sacrifices, un peu de tout ça. Hein. Vous voyez, on va plutôt être dans la récolte. Et puis, avec ce courage, ben, on voit que vous êtes élancé dans une réalité. Et puis, il y a plein de promesses qui vous attendent parce que, vous voyez, vous avez fait le plongeon. Et derrière, vous voyez cette toile ici, hein, on a vraiment cette vue magnifique. Voilà, on va y voir plus clair, bien sûr. On va être libéré, surtout parce que vous avez mis des choses en action et vous avez agi concrètement, par rapport aux difficultés. Et on voit que ces difficultés vont s'évanouir. Voilà, les amis, c'est vraiment un beau tirage encore aujourd'hui pour vous. Allez, on va aller voir maintenant dans le domaine sentimental. Alors, par contre, je n'ai pas préparé, j'avais envie de prendre l'oracle. Alors, j'en ai pas pour longtemps. Voilà, je vais juste le prendre, les Amethyst Love. Parce que je n'avais pas préparé. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental un petit peu les messages pour vous pour ce mercredi 25. Allez, mercredi 25, s'il vous plaît, des petits messages pour nos célibataires. Allez, détachement, période de lâcher prise. Vous voyez, on a quand même du lâcher prise. Le lâcher prise est au rendez-vous aujourd'hui. Hein. Alors, c'est une période de détachement ici. Hein. Je pense que on a eu fini avec une personne, hein, ce qui va vous permettre aussi de vous libérer et vous de détacher de vous détacher de cette situation. Allez. Voyez, on se détache d'une situation qui était on-off, c'est-à-dire une relation qui était instable, qui était un petit peu superficielle. Peut-être une personne qui n'était pas toujours disponible pour vous, qui n'allait pas vraiment au fond des choses. Hein. Peut-être que vous étiez en train de faire des projets avec cette personne, et puis vous êtes aperçu que peut-être vous étiez seul, peut-être à faire des projets, parce que elle était vraiment, c'est quelqu'un d'instable, quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses, quelqu'un qui était superficiel. En tout cas, on voit qu'il y a cette période de détachement et de lâcher prise ici. Hein. Donc, je pense qu'on s'en est libéré. Hein. Donc, ce qui va vous permettre, bien sûr, d'être en présence, peut-être, d'une autre personne, hein, qui arrive dans votre vie. On vous parle, bien sûr, d'âme sœur et beaucoup plus de stabilité, concrètement, dans cette nouvelle relation. Donc, pour moi, il y a aussi cette triangle amoureux, c'est-à-dire peut-être une personne qui n'était pas libre. Donc, on vous dit quand même qu'il y a eu des périodes de crise ici. Hein, voyez, je pense que vous avez eu quelque chose que vous avez appris. Peut-être cette instabilité au niveau de cette personne. Donc, vous voyez que ben, cette personne n'était pas libre. Enfin, c'est pas qu'elle n'était pas libre. Elle était disponible, mais pas tout le temps pour vous. Mais cette personne n'était pas seule. En fait, elle avait plusieurs conquêtes. Donc, elle voyait d'autres personnes en même temps que vous.
Alors, c'est peut-être quelqu'un qui était inscrit dans les réseaux de sites de rencontres et peut-être que, bah, en fait, elle en voyait d'autres et voilà, vous avez peut-être cru en cette personne. En tout cas, on voit que vous êtes détaché de cette personne. Aujourd'hui, on va être plutôt en présence d'une autre relation qui est beaucoup plus stable ici et qui pourrait durer dans le temps. Voyez, on vous parle d'un mot véritable ici, d'une affection conditionnelle. Voyez, on a été blessé par cette personne, hein, parce que je pense que vous avez peut-être cru, elle vous a fait, peut-être elle vous a promis des choses, elle a peut-être fait quelques projets aussi, vous avez espéré. On voit que vous avez été vraiment touché, blessé dans votre amour et dans votre amour-propre, hein, puisqu'on voit que cette personne n'était pas libre, enfin, n'était pas libre, en tout cas, on voyait qu'elle avait peut-être d'autres personnes aussi en même temps que vous, hein. Allez, en tout cas, on vous annonce une belle élévation avec cette nouvelle personne ici dans votre vie. Peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais voyez, pour moi, ça va être quelqu'un avec lequel ou laquelle vous allez aller doucement. Voilà, moi, ça me parle déjà d'une amitié avec quelqu'un. Alors peut-être qu'aussi par rapport à cette période de crise, je pense qu'on a été entouré aussi de personnes loyales, intègres avec vous, hein. Peut-être que vous avez été chercher aussi du réconfort par rapport à ces blessures. En tout cas, on voit qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, quelque chose qui sera beaucoup plus stable, relation stable qui dure dans le temps, une relation qui va bien sûr s'élever, porter un niveau supérieur. Et puis on vous annonce que même si pour l'instant ben, vous n'y croyez plus, on vous annonce que c'est vraiment le succès, que tous les espoirs sont permis. C'est vraiment cette bénédiction, voilà, d'une belle rencontre pour nos célibataires. Allez, on va aller voir pour nos couples. Allez, pour nos couples, je vais prendre quelques cartes de, ah oui, allez, de l'oracle de coup de cœur. Et puis je mettrai trois cartes des améthystes, voir un petit peu pour avoir un peu plus de. Ah ben décidément, ça nous parle de trahison aujourd'hui, hein. De cœur blessé. Oh là là. Ben oui, il y a des jours comme ça. Période de crise ici, hein, avec le couple. On a un couple aussi qui traverse une période difficile. Ah, je regarde parce que je croyais que j'avais une carte qui s'était retournée, mais non, apparemment non. Alors, allez, c'est pas le bon moment ici, hein. On voit qu'il y a des disputes. Période de crise, période où on s'est senti trahi, peut-être dans votre union, hein. Vous voyez, ça me parle que pour l'instant. On est un petit peu sous l'emprise de ces difficultés par rapport à une trahison qu'on a subie. Allez, la guérison de paix retrouvée. Alors aussi par rapport à des enfants, puisque on a sorti la carte de l'enfant, c'est-à-dire que pour l'instant vous êtes en cœur blessé, vous n'êtes pas bien, il y a des disputes, on voit qu'il y a aussi ce problème de trahison, hein, qui a vraiment une emprise sur vous. On vous demande un peu de patience, mais aussi heureusement vous avez aussi peut-être cette harmonie, cet équilibre auprès de vos enfants. C'est peut-être vos moments aussi que vous pouvez avoir un peu de calme et de paix, être un peu plus équilibré par rapport à cette emprise de trahison avec vos enfants. Alors, j'ai plein de cartes qui se sont retournées. Oh, je crois que. Non, c'est pas. Allez. Alors, écoutez, pour moi, il y a de réconciliation. Hein. Bon, il y avait un moment. Alors, il y a ici ce moment de trahison. On s'est senti trahi. Alors, peut-être pas par une triangulaire. Hein. Ça ne me parle que vous avez été. Trahi, enfin, peut-être vous êtes senti trahi parce que ça ne parle pas de trahison. Enfin, pour l'instant, ça me parle quand même qu'il y a eu des blessures.
On a ce cœur brisé ici. On a ici, vous voyez, ces nuages qui vous demandent que ben, pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Il y a encore cette trahison et ce cœur brisé qui a vraiment cette emprise sur vous. Mais on vous demande de la patience avec cette carte aussi. On voit que pour l'instant, il y a des enfants autour. Hein, voilà. Il y a ici ben, un peu d'harmonie, un peu quand même avec vos enfants, parce que c'est le bonheur que vous pouvez avoir, c'est auprès de vos enfants. On voit que vous y trouvez cette paix aussi. On vous parle quand même de d'âme sœur et puis. Pour moi, il y a une réconciliation, les amis. Je pense que c'est une période difficile que vous vivez actuellement. Ça me parle quand même d'un retour, d'une réconciliation, parce que malgré tout, on vous parle que c'est votre âme sœur et que vous allez de nouveau retrouver cet équilibre. Voilà, même s'il y a eu de la perturbation dans votre couple, hein, on vous dit que bientôt, voilà, il y a peut-être cette porte, cette lumière hein, qui arrive enfin et que ça vous apporte cette porte, la guérison, les solutions, en tout cas des solutions. Je pense qu'on s'est retrouvé dans une situation et que de nouveau, on va lâcher prise. Hein. Pour moi, il y a une réconciliation, en tout cas les amis, ça ne me prend pas de séparation en tout cas. Voilà, donc je vais peut-être remettre une carte, mais non, pour moi il y a un retour, ça, même s'il y a une perturbation, vous avez été perturbé à un moment donné, je pense qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir ici. Hein. Voilà, vous voyez, on me parle de lune, on me parle de cycle, et puis de nouveau être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Hein, voilà. Grande protection sur votre mariage, grande protection en tout cas divine. Voilà, on va réfléchir, je pense qu'on va être plutôt à l'écoute. On va être plutôt dans la, comment je veux dire, dans la sagesse. Vous voyez, on va être plutôt dans la sagesse et je pense qu'on va quand même, il y a une réconciliation en tout cas avec de nouveau l'équilibre qui revient dans votre vie sentimentale. Voilà les amis, donc on va aller chercher quelques petits messages de nos archanges des anges. Un peu les messages du jour. Allez, petit message de ce mercredi 25, petit message s'il vous plaît. Petit message s'il vous plaît. Allez, je procède à la coupe. Je suis beaucoup pour mes amis. La claire connaissance, la compréhension et puis d'excellentes idées. Voilà, thérapie des anges. Voilà, on a vraiment les anges. Enfin, il y a vraiment la thérapie des anges. C'est vraiment votre conscience, hein, votre sagesse hein, qui va faire beaucoup. Hein. Alors, on vous parle avec l'archange Uriel, la claire connaissance. Soyez attentif aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. On vous dit que, voilà, il y a des idées, en tout cas, excellentes idées avec l'archange Uriel. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Puis, on a vraiment cette compréhension spirituelle. C'est vraiment, vous voyez, on est vraiment dans la sagesse, on est vraiment dans cette intuition aussi, hein, voilà, et puis on va avec compréhension, avec cette sagesse, avec ce temps de réflexion, ce temps de pause que l'on a fait, et ben en fait, elle va vous apporter des informations et des symboles peut-être ésotériques, mais je vous, en fait, c'est pour vous aider à comprendre des vérités spirituelles. Voilà, tout simplement, ça nous parle de mental, ça nous parle de spirituel, ça nous parle de compréhension, en tout cas, spirituelle, et puis beaucoup de sagesse, en tout cas, pour ce tirage de ce mercredi. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me faire vos petits retours. Moi, je vous envoie plein de bisous, en tout cas. Merci en tout cas de vous abonner. Merci de liker aussi ma chaîne. C'est ce qui permet de la faire vivre et de continuer à vous faire des vidéos chaque jour et puis vos horoscopes chaque mois. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous et je vous souhaite un excellent mercredi. Bye bye!